c'est le carré des femmes, un peu inspiré des différentes maras desnudas, des Goya, hein, qui avaient fait scandale à l'époque. Hein. Donc c'est mes petites maras contemporaines, si on veut. On ne naît pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir, mettant ainsi en lumière le fait qu'être une femme ne se limite pas à un fait biologique, mais reste le résultat d'une vie, d'une histoire, d'une éducation. De la naïveté et de l'ignorance d'Agnès de l'école des femmes, le petit chat est mort, à la révolte lucide et au suicide d'Adéla dans la maison de Bernarda Alba, de Garcia Lorca, les chemins de la féminité restent loin du chemin vers le féminisme et nous entraînent dans les voies de cette différence assumée. Là, c'est le butin de guerre, c'est beaucoup plus triste. Pendant toutes les guerres, hein, ancestrales et encore maintenant, ça existe. Ce sont les hommes qui violaient les femmes, qui leur faisaient des enfants et marquaient leur territoire, quoi. Non, c'est horrible. Là, c'est plus gentil, on passe au conte. Le petit chaperon rouge, toujours avec des fleurs. Dans beaucoup de mes tableaux, il y a des fleurs. Et dans mon enfance, en fin de compte, je vivais beaucoup dans mon jardin. Toute seule dans mon jardin, je jouais avec les fleurs. Celui-là, je l'appelais Est-ce mon prince. Il y a des collages. Je déchire un petit peu au hasard et l'expression n'est pas vraiment décidée, puis c'est la surprise. Là, je suis répartie sur à peu près 14 années, hein, entre les derniers que j'ai fait cette année et à certains qui datent d'il y a 14 ans. En juin dernier, quand j'ai vu le mur noir, j'ai décidé de faire un Christ pour ce mur. Depuis toute petite, ce qui comptait, c'était les images de communion, hein, qu'on se passait comme les bons points. Donc, moi, j'ai été très marquée par ce Christ quand je suis allée à la cathédrale de Burgos. Il y a une sculpture en bois recouverte de peau de veau et qui, soi-disant, saigne tous les vendredis du mois. Et il a une jupe. Et en fonction des moments de l'année, en fonction de la liturgie, Les jupes, elles sont violettes, vertes ou jaunes. Hein. Celui du centre, ce n'est pas le Christ de Burgos, c'est un Christ roman. Et les animaux, ils sont faits de la même manière que le Christ. Hein. C'est vraiment une sculpture à chaque fois. Hein, comme un rond de bosse, tu sais. Je prends du sopalin que je trempe dans la colle et je me fais le sujet. Et quand le sujet est sec, je le peins. Et quand il est à moitié sec, je passe une espèce de gros gel. Voilà. C'est un petit truc à moi. Quand les gens faisaient des vanités, c'était bien précis, une idée philosophique, hein, on va retomber en poussière et tout et tout. Je pense pas, je crois que c'est presque juste une question esthétique qu'une question symbolique ou philosophique, ça me préoccupe pas ça. Depuis toute petite, j'aimais les mariés. J'étais désolée quand ma mère, à carnaval, me déguisait lors de nos goûters d'enfants en franc-comtoise, alors que moi je rêvais d'être en fée ou en mariée. Celle-ci, elle est inspirée du tableau de Rembrandt, ce petit tableau délicieux où il y a la fille qui soulève un peu ses robes. Voilà. Là, c'est sur le bouquet, c'est comme un peu des... comme sur les gâteaux de mariage, tu sais. J'ai pris en photo des tableaux que j'ai vendus
Et je les ai tatouées sur cette mariée. Comme ça, je me souviens de mes mariées. En haut, c'est ce que j'ai fait avec mon iPad. J'adore dessiner au doigt avec. Donc là, il y a différentes époques. J'étais beaucoup plus art brut avant. Et j'ai un peu la nostalgie de où je travaillais de manière beaucoup plus inconsciente. Parce que plus ça va, plus je connais la peinture, peut-être plus je m'applique et ça me gêne. Là, c'est il y a une dizaine d'années, je suis à Bordeaux, j'avais peint pour une association. Il y avait une thématique imposée, c'était l'exclusion. Et j'avais exposé à l'espace Saint-Rémy à Bordeaux. C'est-à-dire quand je peins, je fais ma peinture et après, les détails vont venir après, au fusain. J'aime beaucoup le côté poudreux du fusain. Depuis 2 ans, je vais en Inde. J'anime des ateliers dans des ONG à Pondichéry, à Chennai. J'en profite tous les matins pour faire un petit dessin de carnet de voyage. Et alors là, c'est l'huile et mine de plomb. Je rame mon doigt dans l'huile, je fais mon sujet et je finis la mine de plomb. Bon, Eurydice, tu t'es vue ? Ça, c'est toi, bébé. Tu te souviens ? Oui, ça, oui. Là, je me suis inspirée de toi. Hein. Et là aussi, c'est tous les tableaux que j'avais faits quand tu étais bébé. J'étais très marquée par mon enfance. J'ai de très bons souvenirs de mon enfance. Je vivais au Maroc. Donc, à la maison, on avait un boy qui s'appelait Fatmi. Et vraiment, ça a été un substitut de père. Et quand j'ai quitté le Maroc à 10 ans, ça m'a vraiment marqué, cette rupture. Il a fallu qu'à 35 ans, je fasse une analyse, que je donne le nom de ce Marocain, que je me mette à pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai passé mon bac, que j'ai passé une licence d'éducation et que je me suis mis à peindre à 35 ans. Parce qu'il y a des souvenirs d'enfance qui sont revenus. Chantal peint la femme qui a trouvé, sinon choisi, sa place. Même si parfois, au-delà du regard inquiet et interrogateur de l'enfance, ou du sourire confiant de l'épouse ou de la mère, surgit, répété comme un leitmotiv culturel, le portrait angoissant de la femme victime de sa féminité, de sa fragilité, est devenu butin de guerre, ou garante de la reproduction de l'espèce au sortir de l'innocence enfantine, brisée dans son triptyque emblématique qu'est la jeune fille et la mort. Son pinceau esquisse l'essentiel, bouscule les formes, et pose les couleurs chaudes et généreuses qui la caractérisent. Son trait est rond et sensuel, et les personnages qu'elle nous présente semblent sortir du rêve qui la poursuit, messager qui nous pose la question qui la hante. Naître femme, cauchemar ou bénédiction ?